Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Collectif 7 juillet 2021, nous-mêmes organisation de base, association, parti politique, plateforme politique et regroupement politique, organisation FOMIO, syndicat, société civile, secteur populaire, Tankou, escouade démocratique, RASPA, réponse paysan, plateforme politique Victoire, Femme Soleil Levé, COFAV, Victoire Femme, GFN, Fopol, Renouvelé Haïti, pour ne citer nos saillots seulement. Coupe bien bas pour ne saluer mémoire président Jovenel Moïse et nous condamner à toute force nous, Zak assassinat ça, côté de l'eau pape Jean suspend fin couler dans GP haïtien. Yo rache président, yo pété ziel, yo cassé pied, yo cassé point li, yo volé toute saleté gen la caille. Dans ce sens, ça, nous demandons justice et réparation pour le président Jovenel Moïse. Ce même qui est venu là, nous prenons gagner examen officiel. Nous avons démarré avec trois catégories. D'abord, nous avons gagné la 9e année fondamentale. Nous avons gagné ENI, École Normale Instituteur. Et nous avons gagné CEF, Centre d'éducation familiale. Pour la 9e année fondamentale, il a commencé le 19 et il a fini le 21 juillet. Nous avons un total de 189 568 candidats. Pour ENI, École Normale Instituteur, il a commencé le 19. Et là, fini 23. Nous gagnons un total de 3305 candidats. Pour CEF, Centre d'éducation familiale, il a commencé 19 et là, fini 23 juillet. Nous gagnons un total de 366 candidats. 26 jusqu'au 29 juillet, nous avons gagné le baccalauréat. Et puis, 30 juillet, nous avons gagné l'épreuve anticipée de français S3. Et puis, pendant le mois d'août, juste nous avons 30, nous avons gagné l'examen qui concernait le professionnel. Nous voulons présenter
différentes consignes n'a gagné pour candidat semaine cabinet là et aussi pour baccalauréat. Premier conseil, mettez masque, c'est une obligation. Nous devons faire tout ça nous connaît pour nous respecter les mesures barrières. Les mesures barrières, nous connaissons, c'est respecter les paramètres de distanciation, mettez masque et puis lavez main. Donc, tout le monde connaît, nous avons une disposition, nous parler ça, pour l'année passée, pour que ces 26 candidats nous aient dans salut et pour que salut réponde. Deuxième conseil, tout candidat qui a fait fraude, eh bien, copilé a annulé. Et candidat ça capable pas qu'à participer dans l'examen pendant une période minimale de 2 ans. C'est-à-dire que candidat doit faire effort, doit faire tout ça qui est possible pour ne pas porter poule, pour ne pas venir faire fraude, sinon il va le payer en conséquence très néfaste. Troisième conseil, aucun candidat pas capable d'entrer dans cet examen avec ZAP. Quatrième, mettez uniforme obligatoire. Pour tout candidat qui a venu dans l'examen, c'est même qui a venu. Et aussi pour candidat qui a venu dans la semaine après, soit 26. Seulement candidat qui n'a pas de baccalauréat permanent, ça nous est recalé, qui n'a pas fait obligation, qui n'a pas concerné par REXA. Utiliser calculatrice programmable est formellement interdit. Ça, c'était le cinquième conseil. Sixième, les téléphones cellulaires sont formellement interdits dans les centres d'examen, sauf pour les responsables au besoin. Pour ça, l'usage du téléphone est interdit pour surveillants et aussi pour superviseurs. Septième conseil, tout candidat surpris en flagrant délit de fraude sera éliminé. On a souhaité que, nous disons ça déjà pour le candidat, pas venir faire fraude. Huitième conseil, toute personne surprise en flagrant délit de fraude aux abords et ou dans les centres d'examen sera mise aux arrêts et remise aux autorités judiciaires pour les suites légales. Neuvième conseil, il est interdit aux agents préposés à la sécurité des centres d'examen de pénétrer dans les salles d'examen. Enfin, dixième consigne, personne pas capable qui a accès dans un centre d'examen sans pas gagner une autorisation spéciale qui sortit des autorités du central, tant pour le ministre, tant pour le directeur général, tant pour le directeur binet, tant pour directeur départemental. Nous connaissons l'importance que le président de la République, là, son excellence Jovenel Moïse, ait gagné pour l'éducation. C'était une bataille solide qu'il a fait pour que nous ayons gagné une éducation de qualité. Nous connaissons l'éducation de qualité à lui permettre. Nous gagnons, l'État permet et la permet, puisque nous travaillons pour ça, pour nous gagner une autre société. Ou pas capable de gagner une autre société si vous n'avez pas gagné
une bonne éducation, une éducation de qualité. Candidat ou bien imprégné de consigne, il y a respecté pour que les gens capables de passer très bien. On prend des objets à l'attention du candidat. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qui recevront fichier et que vous constatez que parfois il y a une petite erreur qui glisse dans le nom, dans le prénom ou bien dans la date de naissance. Et nous connaissons que depuis 2 ans, c'est examen 9e année, c'est le même qui base tout parcours élevé dans le système. C'est-à-dire que il n'y a pas fait saisie encore. Tout simplement, c'est le numéro d'ordre candidat qui a rentré et puis toute information, si vous avez monté, il a seulement ajouté moyenne si vous avez fait dans la seconde, il fait dans le retour, il fait dans le filon. Donc, il n'y a pas fait saisie encore. Sur ce, pour éviter tout problème, nous avons un formulaire que nous distribuons par toute direction départementale, un formulaire de correction. Dans la salle d'examen, si vous avez constaté que vous avez un nom, un prénom ou bien une date de naissance, là, eh bien, l'apprenti formulaire, là, eh bien, l'a écrit non, Jean Lia, et l'a dit, mais qui Jean était lui écrit. Et puis, au cours de la semaine, l'a cap annexé une copie à la naissance, n'a fait ça. Et étant donné que l'examen pour commencer, donc, tout candidat qui l'a caillé aujourd'hui, pour constater que vous avez une erreur, non, non, dans la première date de naissance, et bien tout faire en copie d'acte de naissance, lorsqu'il vient dans la salle d'examen, ou tout remettre, après finir le formulaire là, pour faire correction pour vous. Parce que, année ça, nous voulons finir avec bagaille correction ça, ça fait son seul saisie que nous avons fait, nous n'avons pas aucune saisie encore. C'est tout simplement, entre numéro d'ordre, année de participation, toute information montée, il n'y a pas moyen, ni non, ni pour une date de naissance. Ça, c'est prévu tout problème. Deuxièmement, si on est capable d'ajouter encore, c'est pour élèves qui n'ont filo dans la deuxième vague là. Dans le site, la plateforme que nous créons dans Bunex, www.bunex.org, et bien élèves qui n'ont LS4 là, élèves qui n'ont filo, ils sont capables de vérifier si ils sont inscrits ou bien s'ils ne sont pas inscrits. Parce que nous constatons que chaque année, il y a des petits qui n'ont pas validé, qui n'ont pas inscrit. Directeur de l'école n'a pas jamais information ça. Directeur de l'école a liquidé information ça. Si mon n'a pas jamais. Moi, pas déstabiliser. C'est le jour de l'examen. Parce que moi, c'est mon qui écrit, qui dit ministère, qui mandé tout FBI et alors que depuis pour 4, nous jouer un support colombien. Moi, pas décourager. Pas capable de déstabiliser. Pour éviter tout problème. Il y a pile monde là-dedans. Il capable pas bouiller plus là. Parce que moi-même, c'est assassiné pour assassiner, ou bien il faut qu'enquête là abouti. C'est ça seulement que je suis capable de dire. Enquête là pas abouti, là pas abouti, si nous voulons assassiner, m'assassiner, mais si attaque sur caractère, nous n'allons pas marcher parce que nous faut assez. Et puis, président Maurice Duet, nous campons avec le conseil ministre de avec le secrétaire d'État de jeudi, nous avançons. Nous ne pouvons pas assassiner caractère, nous pas assassiner, mais nous avançons. Enquête là doit moins minimiser environnement, nous minimiser totalement question caracol. Nous minimiser, c'est bon. Et nous pensons que il n'est pas capable de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on me dit un bon matin levé et sûrement avec support complotaire, eh bien, il y a bouillé pis là. Donc, nous pensons que les médias, nous gagnons des démarches pour nous faire beaucoup de mal. Mais je dis nous clair que ça n'a pas affecté du tout, du tout. Parce que moi, je connais que Jean de Bagay ça a venu. Parce que moi, trop intéressé à l'enquête. Et il faut que l'enquête là aboutit. Question statistique, nous, tout sur le plan logistique, tout est prêt au niveau des 10 directions départementales. Donc, nous avons seulement tant de timons parce que et tout bagaille en quelque sorte dans la direction yo, déjà prêt pour accueillir tout timon au niveau 9e année fondamentale et aussi jeunes professionnels dans le niveau et CERF. CERF qui c'est
qui c'est centre d'éducation familiale. L'examen ça a déroulé du 19 au 21. Il y a gagné 3 jours pour le passer. C'est mon ça a composé sous 1600 points et il a composé dans 7 matières qui c'est matière ça a déjà Timon yo courant de yo, c'est communication française, sciences expérimentales, sciences sociales, anglais, espagnol, créole, mathématiques. Il a venu pendant 3 jours ça pour composer et il a composé son valeur point de 1600. Et au niveau de santé éducation familiale, il a composé près de 14 matières. Et il a fait toute semaine eux-mêmes, 19 au 23, il a bien pu composer eux-mêmes. Et nous dit, au niveau logistique, tout est prêt au niveau des eux-mêmes, ce n'est pas les 10 départements, c'est au niveau 7 départements eux-mêmes qui a composé au niveau de CEF. C'est l'Ouest, Nord-Est, Sud, Artibonite, Grand-Anse, NIP, Nord. Examen, c'est ça fait tout le monde. Nous invitons Timounio, direction de l'école, non seulement candidat au niveau 9e année, aussi candidat qui va composer pour centre éducation familiale, pour le présenter dans la salle d'examen. Texte, c'est des textes qui sont à la portée de tout le monde, candidat, yo, certainement, malgré l'année, dans certaines zones, c'était une année difficile, mais texte préparé en conséquence. Donc si vous couvrez le programme, vous n'avez pas bien pour peur, vous êtes capable de composer sans problème. École normale des instituteurs, c'est une structure de formation initiale qui est là et donc qui gagne comme prérogative préparer, former futurs enseignants. Suivant un cursus de 3 ans, première, deuxième, troisième année, et en fin de troisième année, gagne yon examen d'état qui allait pour jauger qui compétences réelles que durant 3 ans ça chaque étudiant était développé et qui habilité yo rentrer dans la salle de classe pour capable accompagner élèves yo dans apprentissage yo. Et bien c'est examen ça que gagne capable passer à partir de lundi 19 jusqu'au 23 au niveau national. Parce que nous avons une école normale instituteur ça yo, non seulement à Port-au-Prince, mais dans tous les départements du pays, que ce soit des unis publics ou encore non publics. Et dans ce sens, nous voulons parler un petit peu avec et étudiants météo, très rapidement. Premièrement, dans l'Ouest, nous avons gagné un seul centre d'examen à Manitane-de-Luc qui s'est abattu. Mais par rapport à la situation mais qui gagnait au niveau maintenant de la capitale et par rapport à la conjoncture là, donc le ministère là a décidé et établi un centre d'examen et à Carrefour, au niveau de l'école juvénile de Carrefour. Et raison, et c'est que pour empêcher de trop longs déplacements de candidats, et sans ça a accueilli tout étudiant maître qui sorti depuis Grand Grave, Tigouave, Merger, et Carrefour, etc. Il y a un élément nouvelé et capable de partager avec étudiants météo, pas quitter affolement, pas quitter émotion pour nous par rapport à l'examen que nous avons passé. Nous travaillons en pile pour que les laboratoires aient été dans le cadre d'apprentissage que nous avons fait dans l'école. Nous. C'est ça qui fait que nous avons un format que nous avons présenté et tout objectif qui était ciblé pour développer des items, eh bien, il est rentré dans quatre formats. Ça veut dire apprentissage que nous avons réalisé dans l'école côté. Qui concerne COVID-19 là, pour cas confirmé pour le mois de juin 2021, nous avons fait 214 cas qui baille un pourcentage de 20%. Pour cas suspect, nous avons fait 40 cas qui baille un pourcentage de 4%. Pour formant ceinture, nous avons fait 211 cas, qui bat un pourcentage de 19%. Pour maladie chronique, nous avons fait 54 cas, qui bat un pourcentage de 5%. Pour accident de voie publique, nous avons fait 78 cas, qui bat un pourcentage de 7%. Pour détresse respiratoire,
nous avons fait 53 cas qui sont en pourcentage de 5%. Pour les gens qui boulaient, nous avons fait 4 cas qui sont en pourcentage de 0%. Pour les traumas crâniens, nous avons fait 28 cas qui sont en pourcentage de 3%. Pour les plaies par balles, nous avons fait 17 cas qui sont en pourcentage de 2%. Pour les plaies par armes blanches, nous avons fait 24 cas qui sont en pourcentage de 2%. Et puis pour transférer l'hôpital avec un autre hôpital, nous avons fait 210 cas qui sont en pourcentage de 12%. Donc, permettre que par rapport avec le pourcentage, nous connaissons question femmes enceintes là. Des fois, ils montent en pile, des fois tout, ils descendent pas trop bas, mais ils descendent en petit crasse. Et puis, et question accident de voie publique, tout, permettre que des fois, ils montent en pile. Donc, c'est plus gros morceau nous gagnons par rapport avec le rapport ça. Mais, il y a un bagage que nous ajoutons en plus par rapport avec le rapport ça. Nous décanter quantité filles nous fait et puis quantité garçons nous fait. Et puis tout, nous prenons tout petit monde par rapport à tranche d'âge. Fonti pour moi, juin 2021, nous avons fait 483 cas garçons qui baillent un pourcentage de 44%. Et puis, pour femmes, pour mesdames, nous avons fait 552 cas qui baillent un pourcentage de 51%. Donc, par rapport avec Timounio, nous disons que nous décantons Timounio par rapport à l'âge, et comme nous commençons à décanter, mais par rapport avec Timounio, il y a des diagnostics de prise en charge que nous faisons. Par exemple, nous sommes capables de dire troubles neurologiques, ou bien traumatisme, ou bien pathologie digestive, ou bien détresse respiratoire, douleur thoracique. Donc c'est par rapport à ça que nous prenons juste Timoun. Mais nous avons quantité tout 4 Timoun que nous faisons pendant le mois de juin. Eh bien, 4 Timoun ça y est, un petit Timoun de 5 ans, pour le mois de juin, nous faisons 14 cas pour troubles neurologiques, qui va en pourcentage de 39%. Pour traumatisme, nous faisons 4 cas qui va en pourcentage de 11%. Pour pathologie digestive, nous faisons 3 cas qui sont en pourcentage de 8%. Pour détresse respiratoire, nous faisons 10 cas qui sont en pourcentage de 28%. Pour douleur thoracique, nous faisons 2 cas qui sont en pourcentage de 6%. Autre, c'est l'autre pathologie, nous faisons 2 cas qui sont en pourcentage de 6%. Ça, c'est pour tout le monde de 5 ans. Mais il y a des petits mouns qui sont de 6 ans jusqu'à 15 ans, dans la même pathologie que je dis. Pour traumatisme, nous avons fait 12 cas qui baillent un pourcentage de 43%. Pour douleur thoracique, nous avons fait 3 cas qui baillent un pourcentage de 11%. Pour troubles neurologiques, nous avons fait 3 cas qui baillent un pourcentage de 11%. Et puis pour détresse respiratoire, nous avons fait 2 cas qui baillent un pourcentage de 7%. Et puis pour COVID-19 là, nous avons fait nous avons gagné 4% de monde que nous avons fait dans la question COVID-19 là. Donc ces petits mouns dans l'âge ça par rapport avec statistiques nous gagnons pour le mois de juin 2021. Donc finalement, Fondi, Cannes, comme slogan dit, c'est toute urgence, tout côté, tout temps. Et bien maintenant, nous avons dit, nous gagnons à peu près 87 ambulances qui fonctionnent normal, genre déjà midi. Et pour l'ouest là, nous gagnons presque entre 10 à 12 ambulances qui fonctionnent pour le département de l'ouest là. Mais il faut nous dire qu'il nous représente dans tous 10 départements. Pas oublier que la maladie corona nous peut aller, toujours respecter la distance physique. Et puis mettez cache nous, toujours laver les mains. Et puis pas faire négligence. Tant qu'on m'a tout dit tout, 116 là, il est là pour tout le monde. Donc pas faire 116 pour nous bailler blague, mais faire 116 pour nous gagner urgence seulement. Thank you.
chers pères, frères et sœurs bien-aimés, bonjour et des bonnes fêtes à vous tous. Bonjour. Bonjour. Nous rassemblés dans nos bon Dieu, papa, petit plat avec l'Esprit Saint. Amen. Bon Dieu, grand est avec nous tous. Famille, Samio, ça pour nous autres chanter. Compliment pour bon Dieu et qui t'a fait louange pour bon Dieu, c'est pour ça jolie à l'occasion fête honorable du Mont Carmel dans 16 juillet. L'église là a invité nous pour nous chanter même cantique louange, cantique action de grâce pour nous dire bon Dieu merci pour qualité. Yon dit madame tout simple. Tout pauvre, mais yon madame extraordinaire, parce que bon Dieu le venit en lait. Jean-Marie lui-même lit ça dans parole magnifique là dans l'évangile Saint-Luc. Seigneur, voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais ni seulement de la parole de Jésus.
voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, écoutez qu'à attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer cette cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, sans pas besoin de chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.